Bonjour, je vais faire le direct pour les gens qui vont se connecter après. Période de votre vie où vous aurez l'impression que rien de ce que vous faites n'avance. Vous aurez l'impression que rien de ce que vous faites autour de vous n'avance. Vous aurez l'impression que ce que vous avez entamé ne donne pas. Et vous aurez même une sorte de sensation de piétinement, comme si vous êtes sur place. J'ai beaucoup insisté là-dessus dans le direct que j'ai fait hier. Et je vous ai dit que quand vous commencez à visualiser, planifier, agir pour vous sortir d'une situation, vous aurez la fatigue, les découragements, le manque de confiance en soi. Donc vous aurez d'abord vos propres forces personnelles qui vont venir vous combattre. Donc avant même qu'on ne touche les autres forces de l'extérieur, vous aurez les choses de l'intérieur qui vont vous combattre. Donc à l'intérieur de toi-même. C'est pour ça que c'est important pour toi de comprendre tes points forts et tes points faibles. Connaître tes points faibles, forts, t'aideront comment? Si je sais peut-être que je suis bien en public speaking, je sais que c'est pour m'exprimer devant les gens. Je suis très forte là-dedans. Mais si c'est pour écrire un exposé, je ne suis pas moi là. Je vais capitaliser la capacité que j'ai de parler. Parce que quand je parle, ça me donne de l'énergie. Bonjour, monsieur De Gaulle de Kinshasa. Maintenant, si je prends un boulot où je passe mon temps à écrire les rapports, et je sais que ce n'est pas mon fort, je serai frustré tous les jours. Je serai découragé. Je n'aurai pas envie de faire quelque chose. Et à la limite, même, je vais même croire que peut-être c'est même l'arnaque. Je vais même croire que peut-être ça, peut-être même, tu vois, les pensées suicidaires même qui vont venir. C'est pour ça que vraiment, je vous en prie, surtout quand vous allez remarquer que les personnes qui ont décidé, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas aller travailler pour quelqu'un. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas aller te mettre dans un certain environnement. Parce que la personne m'a dit que non, moi, je connais que j'aime être indépendant. Je n'aime pas qu'on me dise que j'ai à faire ça, ça, ça. Je n'aime pas. La personne a compris que, au lieu d'aller me mettre pendant 8 heures de temps devant l'homme-là, pour qu'il me rabaisse, pour qu'il me rabaisse, bêta, je viens me mettre ici pendant 5 heures de temps ou pendant 10 heures de temps. Je fais ce qui me passionne. Et le problème dans le passé, c'est que vous n'avez pas appris à capitaliser ce qui vous passionne.
connaissez pas capitaliser ce qui vous passionne. Ce qui fait que tu vas passer ton temps à parler aux gens, tu les motives, tu leur donnes des conseils, tu fais ceci, tu les aides à monter leur business plan, tu les aides à chercher la marchandise. C'est ça qui est ton fort. Au lieu de demander en contrepartie qu'on te paye pour ça, tu vas faire ça. Après, à 8 heures, tu vas partir. Tu vas passer toute ta soirée hein, à travailler sur le projet de quelqu'un. Le lendemain, à 8 heures, tu vas partir dans un bureau, t'asseoir, ranger les documents. Ranger les documents. Alors que tu sais que ranger les documents, ce n'est pas ta chose. Et dans cette période où vous êtes... beaucoup d'entre vous, vous êtes en... Je sais pas, le mois de janvier, si, est très lourd. L'air du mois de janvier, c'est comme la résistance. Janvier n'est pas fait de pics d'émotions, genre, ouais, c'est ça qui s'est passé. Parce que généralement, en janvier, il n'y a pas de férié, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de... Il n'y a rien qu'on attend qui va faire qu'on se dise que, waouh, j'ai hâte d'être à ça, j'ai hâte de faire ça. Ce qui fait que tu traverses janvier, si tu ne fais pas attention, ton énergie, quand tu es en train de traverser janvier, sera flat, ce sera plat. Je le dis encore, vous vous battez contre, on me dit, c'est un peu comme si tu essayais de voler alors qu'il y a la force de la pesanteur qui veut te faire tomber. Tu as des forces naturelles qui sont en train de venir contre toi. Tu te lèves, tu dis, je vais étudier. 5 minutes plus tard, tu es en train de dormir. Tu prends le livre, tu déposes sur la table, tu pars bien te mettre sur un espace où tu peux lire. Tu confirmes le sommeil. Mais attends, ça c'est des choses que moi je faisais facilement. Il y a cela tel nombre d'années, moi je faisais ça facilement. Et pourquoi aujourd'hui c'est lourd? Pourquoi aujourd'hui il n'arrive plus? Parce que beaucoup d'entre vous aussi, vous êtes dans une phase de maturité. Vous êtes en train de mûrir. Et quand tu mûris, tout ne t'est plus donné sur le plat. Genre, tu restes, tu prends la Bible, tu fais 1, 2, 3, 4 soleils. Tu dis, ok, j'ouvre n'importe où, là où je tombe, c'est là que Dieu va me parler. Dieu ne fonctionne plus avec toi comme ça. Il s'attend à la maturité de ta part. Bonjour Karine, bonjour Karel, bonjour Annie Rose. Shot, bonjour. Et cette maturité va te demander que les choses qu'avant tu faisais, sur un coup de tête, tu disais, ah, moi, elle laisse. Le tout, si tu fais, ça ne donne pas. Au lieu de laisser, le lendemain, tu te pointes encore. Le lendemain, tu te pointes encore. Le lendemain, tu te pointes encore. Tu dis, ah. Souvent, toi-même, tu seras choqué par toi-même. Tu vas dire, hey. Moi d'avant à l'heure, si quelque chose me fait comme ça, moi j'ai à laisser pardon. Moi j'ai à laisser, je suis parti. Mais quand tu mûris, tu. Et c'est. Cette maturité est nécessaire pour. C'est un peu comme si tu. Je te vois un peu comme un arbre qui doit s'enraciner. Bonjour Hervé. L'arbre ne peut pas. Il y a une dame que j'ai suivie, un dicton qu'elle disait hier. Elle disait l'ouragan prend plus de temps pour déraciner un arbre que de pour mettre à terre un immeuble. Et elle disait que c'est parce que l'arbre a les racines qui sont incrustées dans la terre. Onis, si tu veux savoir quelque chose, tu contactes les numéros, tu demandes. Venez pas dans le direct, me demande les prix des choses. L'arbre, j'ai eu 2 arbres qu'on a déracinés au mois de juin dans ma cour. C'est là que j'ai vu la profondeur des arbres. Tu vois un manguier comme ça, là, c'est là, tu regardes, tu simplifies.
les gars ont creusé. En largeur, ils ont creusé un cercle de presque 3 mètres carrés de diamètre. 3 mètres de diamètre. Et en profondeur, ils sont allés jusque presque 1 mètre et demi, 2 mètres. Merci, Pérez. Et si tu ne prêtes pas attention, à chaque fois que tu voudras t'enraciner quelque part, tu vas voir qu'il y aura cet esprit de laisse. Et je parlais hier avec la dame qui me coiffait. Je lui dis, parfois même quand tu vois la coiffure, si quelqu'un va vouloir, tu vas te dire non, il faut que je ne pas te faire la coiffure aux États-Unis parce que là-bas ça paye. Il faut que je ne pas te faire la coiffure au Gabon. Il faut, je ne sais pas, tu vas trouver un autre pays. Et c'est là que je disais que même au pays, au Cameroun, si tu mets la persévérance, l'excellence, le service, et tu mets un bon cadre, tu vas te rendre compte que tu vas vendre, tu vas avoir les clients qui vont arriver et ils seront satisfaits. Tu vas te retrouver au Cameroun où les gens coiffent à 1000 francs, 2000. Tu vas coiffer, tu auras par tête, tu peux prendre 15, 20 000. Parce que peut-être tu as fait un salon où, premièrement, tu n'étais pas, les 6 premiers mois, ça n'a pas marché, peut-être comme tu voulais, tu n'as pas fermé. Le mois qui a suivi, peut-être, l'année qui a suivi, supposons, l'ouverture, l'année qui a suivi l'ouverture, tu as regardé ce qui manquait sur le marché, tu as pris. Ah tiens, quand les clients arrivent, ils n'aiment pas attendre. Il y a un salon ici au Gabon, quand tu arrives là-bas, il y a au moins 15 coiffeuses. Je t'assure. Il y a les femmes dedans là-bas jusqu'à... Ce qui fait que si tu arrives, même si tu veux n'importe quelle coiffure, il y aura toujours quelqu'un qui est là. Quelqu'un sera toujours là. Et je me suis dit, au Cameroun, ça, c'est le truc que j'ai pas vu. Seulement quand tu peux au marché Mokolo ou bien tu pars au marché Mbopi, que tu peux dire que tu pars à n'importe quelle heure, tu vas avoir plein de femmes là-bas. Mais ce genre de concept, personne n'a pris pour dire que je vais implémenter ça au Cameroun. Parce qu'on se plaint et on ne comprend pas que s'enraciner dans quelque chose, c'est traverser les tempêtes. Parce qu'on m'a parlé d'une dame qui est, il y a plus au moins deux personnes qui m'ont déjà dit qu'elles sont passées par ce salon de coiffure. Donc ça, c'est le tour de 6, 7, 8 ans. Elles ont coiffé là-bas, elles ont accumulé l'argent, elles ont payé leur kaolo, elles sont go en bain. Elles ont payé les kaolo, elles sont parties en bain. Ça veut dire que quand tu regardes le boss, peut-être celui qui a ce salon, c'est quelqu'un qu'il a sûrement traversé des tempêtes. Mais il s'est enraciné. Et c'est l'enracinement qui va faire que plus tu mets tes racines profondément, plus costaud l'arbre peut être, plus haut l'arbre peut aller. Et parfois dans nos saisons, on ne comprend pas ça. Parfois on ne comprend pas. Ça vous abandonner facilement. Tu commences ton sel, lavage au sel. Après deux semaines, un mois, tu laisses. En août, tu voulais l'enfant. L'enfant entre en septembre. Après que tu aies fait les lavages, fais les kits, fais. Octobre, tu arrêtes tout. Tu ne fais plus rien comme travail spirituel. Alors que tu as pris trois mois pour concevoir. Ma chérie, comme tu es en train de laisser là comme ça là, ne te dérange pas,
tu vas voir ta vie dans 6 mois, tu vas confirmer le code. Tu vas confirmer le code. Tout ce que tu as construit là va tomber. Parce que vous devez apprendre la persévérance et la maintenance. Et c'est ce qui fait que beaucoup de mariages ne tiennent pas aujourd'hui. Quand ça ne va pas, ah, tu m'énerves, je t'énerve, on s'énerve, nous nous énervons. Ok, vous vous énervez, hein? D'accord. Il s'énerve, séparez-vous. Alors que tu as prié pour le mariage là jusqu'à. Seigneur, donne-moi le mari. Seigneur. Chaque fois que tu fais un travail spirituel, quelque chose va quitter sur toi. Chaque fois que tu prends le sel, tu mets dans l'eau, tu mets sur toi. Il y a quelque chose. Écoutez, ce n'est pas que tu vas toujours attendre de voir une manifestation. Je me suis lavé 7 fois la semaine passée. Les 7 fois là, j'ai eu ça. Non. Parfois, tu vas me faire 2 semaines, rien ne va se passer. Tu fais seulement. Il y a une dame qui m'a fait un message. J'ai mis dans le groupe des rois et reines là. Elle a déjà fait tellement de choses spirituelles. Tellement depuis 2 mois qu'elle est suivie par moi. Bon, suivre, je vais même trop dire, c'est trop dit. Je vous dis que moi, elle est suivie. Je ne vais pas t'écrire pour te dire que tu as fait ça. Je ne vais pas t'écrire. Mais elle m'a dit que bon, voilà, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? J'ai déjà fait ça, je peux faire quoi? Elle reste à dire, ok, je veux une consultation parce qu'elle veut voir ce qu'il y a encore qu'elle peut faire. Depuis presque 2 semaines, elle essaie d'avoir une consultation avec moi. Blocage. Je vois son message ce matin où elle dit, elle a eu l'intention, elle a pris la poudre de désenvoûtement, elle a fait bouillir, elle s'est épuisée avec. Elle passe au coucher, elle dort. Elle s'est épuisée avec à 5 heures le matin. Les vers là, les vers de femme là, elle avait ça dans le ventre. C'est sorti. C'est une femme qui n'a pas d'enfant. Je pense bien parce que je crois qu'elle est dans la quarantaine. Elle a été mariée 8 ans, elle n'a pas d'enfant. Elle dit qu'elle se réveille le matin. Elle a envoyé la photo. Ceux qui sont dans le groupe, là, vous allez voir la photo. Je crois que ça, c'est la deuxième femme déjà qui fait le témoignage des vers qui sont sortis après qu'elle se soit purgée avec la poudre, le truc de désenvoûtement. Là. Et ces choses, ce sont les choses qui bloquent ton argent, ta conception. Et souvent, ça met aussi l'esprit de rejet sur toi. Ça fait qu'on te rejette beaucoup. Imaginons peut-être qu'elle avait commencé son travail il y a 2 mois. Après, elle dit, ah, j'ai moins d'air trop fait. Il y a trop fait comme ça, là, elle laisse. Le truc, elle serait restée dans son corps, non? Même en décembre 2023, tu vas encore voir les choses dont tu seras délivré. Tu vas rester, Dieu va te montrer encore que, oh, il y avait encore ça qui te bloquait. Après, tu vas rester, Dieu va encore montrer, tu vas dire, hey, il y a encore ça qui me bloquait. Tu vas rester encore 3 mois plus tard, Dieu va encore montrer qu'il y avait ça qui te bloquait. Oui. Et plus tu te débloques, plus tu deviens fort. Plus tu te débloques, plus tu deviens fort. De plus en plus, tu restes en salle, tu deviens fort. Tu te dis, peut-être, on ne te manipule plus. Un homme n'entre plus dans ta vie comme ça, là, il se fait, tu arrêtes ton business, tu arrêtes tout ce que tu faisais. Non, tu deviens fort. Tu dis non. Tu arrives à détecter. Quand tu rencontres quelqu'un, tu détectes ses intentions au départ.
Et quand tu commences à te fortifier spirituellement, tu commences aussi à connaître ce que tu veux. Tu commences à comprendre ce que tu veux un peu plus. Donc tu n'es plus l'impression que tu attends toujours que quelqu'un te dise. Parce que parfois, il y a des gens comme ça. Malheureusement, il attend toujours qu'on dise que fais ça, il fait. Fais ça, il fait. Il attend en fait. J'espère que ça va vous permettre de comprendre ce qui vous arrive parce que vous êtes dans une phase où vous avez l'impression que vous êtes dans un film au ralenti. Et ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'efforts pour tirer les choses que ça monte. Ça ne coule pas comme ça coulait souvent. Genre, je me lève, je fais tac, 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 ça se passe. C'est une phase. Et généralement, ça arrive quand tes choses sont déjà prêtes à éclore. Et ça ralentit comme ça là pour que tu abandonnes. Parce que si tu abandonnes, tu ne reçois pas. Si tu abandonnes, ça ne se passe pas. Bon, vous passez une bonne journée. C'était juste une vidéo rapide.